The atrium of Akanash. A world shut inside another. This is what humans do when they don't understand a thing. They build walls around it. They put locks on the doors, and they put soldiers in front of those doors. The bigger the secret, the bigger the lock. And the craziest are those who want to pick it. May my ancestors forgive me. I'm one of those, to my misfortune. This noise. These voices. I can't stand it. Amber. That damn golden mud oozing from the heart of the world tree. A magma of sticky dreams. All the thoughts of those who wanted to taste the forbidden sap. Humans. Elves. All their private little chatter is mixed up in this disgusting soup. A flood of ideas constantly flowing into my head. For all these years, it took so long for me to find this place. With each step, I heard my voice a little less, and all the others a little more. I'm so tired. It's time to finish it. While I can still recognize my own thoughts. The heart of the tree. It's why I'm here. That, at least, I am sure is my own desire. Take possession of this source of infinite power, but also misfortune. It's time to move to the first phase of the plan. Drop your weapon. And it starts now. Beast, wake up! Answer when Lord Barnuman speaks to you. Who are you? Speak! My name is Styx. There's a surprise. The elves give names to their monsters. Where do you come from? I've never seen anything that looks like you. I am one of a kind. It's the elves who created it, Father, that's obvious. They pulled this runt out of their sticky larvae, and they sent it here to spy on us. Speak! Is it the elves who sent you? Why are you here? Elves. If you only knew. They don't need spies to find out what's going on in this accursed tower. So, you're working for them. What did you come here for? I came for the heart of the tree, of course. I knew it. Those degenerates want to retake the tree and keep their precious amber for themselves. Father, we must bring them to heel while we still have time. Enough, Aaron. I secured this alliance with the elves and I intend to respect it. For the moment, we need the elves. You know it very well. Rubbish. Oh yes, you do need the elves. How many of you poor little humans died the last time you tried to extract amber by yourselves, huh? How many? Hundreds? Oh yes, you do need the elves. But they don't need you. How long do you think you can lock them up in their own world? The amber is theirs. The tree is theirs. The heart of the tree is theirs. And I intend to get my hands on it and take it away from here. They're dying to get their tree back, eh? But they won't do a thing. We have an agreement. An agreement? We don't sign agreements with people who have amber in their veins. You're out of your depth, Mr. Governor. Oh, you've got some nerve. I'm sure you've never even seen the heart of the tree. Oh, but I have seen it. Since I've been holed up in the bowels of the atrium, I can see it night and day, even in my dreams. And every day I say to myself, hey, Rakash, the heart of the tree is over there, almost within reach. And by your life, you're gonna find some way to steal it, because you're not leaving the tower without it. The tree, yeah. Oh, this headache. What? Where was I? Shit, my brain is an anvil. Yeah, the heart of the tree.
What did I do with my... I should be able to climb up there. Ça, salut, c'est Kenny Menis, un jour moi ça va pico, mais c'est pas pour vous, c'est pareil. Donc nous voilà pour une nouvelle aventure, un jeu vraiment sympathique que j'ai testé tout à l'heure et que j'avais vraiment envie de vous faire des vidéos et une aventure suivie. Voilà, ce jeu s'appelle donc CityX Master of Shadow, donc le maître des ombres, comme le titre le suppose. C'est un jeu basé essentiellement sur l'infiltration, inspiré on va dire entre Hitman, Metal Gear et évidemment bien sûr Splinter Cell. Voilà, vous allez voir tout ça au long de l'aventure. Voilà, donc c'est parti, on va directement y aller. On va récupérer notre lame pour pouvoir commencer à tuer des gens. Voilà, et vous allez aussi voir que tout le long de l'aventure il faudra tout simplement tuer personne de manière discrète. Ça sert à rien de foncer dans le tas parce que vous ferez dégommer très très facilement, surtout sur plusieurs gardes. Voilà, un, ça va, mais dès qu'on a plus qu'un garde, là c'est la merde. Et vous allez voir tout ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment c'est la merde si on veut affronter plusieurs gardes. Voilà. Si jamais donc ce jeu est disponible depuis hier sur PlayStation 4 et Xbox One, et également sur PC, vu que je joue sur PC, mais avec une manette Xbox 360, c'est pour ça que je vous montre. Did you see the dagger that Duncan found? I wonder where it comes from. It's not from here. Yeah, well don't get excited. We'll play for it with dice tonight. In the meantime, keep your hands off. Okay, okay. I'll wait till tonight. They must be talking about my dagger. It can't be far away. C'est pour cela que vous demandez peut-être pourquoi il y a les touches de la manette Xbox qui apparaissent sur l'écran. Bah tout simplement car je joue avec la manette. Je trouve pour un jeu d'infiltration ou un jeu de la troisième personne, je trouve que c'est beaucoup mieux et plus agréable de jouer avec une manette. Voilà, mais chacun son avis. Certains préfèrent jouer à tout avec la manette et d'autres tout avec le clavier et d'autres jonglent, etc. comme moi. Voilà. Donc nous voilà une petite potion. I should drink this flask. It would perk me up a little. Donc une petite potion qui sert à gagner de la santé, qui est en bas à droite si jamais, si vous n'avez pas remarqué. Donc ce petit jeu more climbing, I guess, a été créé par un studio français qui s'appelle Cyanide, je crois, si je ne me trompe pas sur la prononciation. Et c'est ça qui est assez bizarre parce qu'ils n'ont pas mis les voix en VF. C'est pour ça que vous avez toutes les voix en VO, avec les sous-titres bien sûr, mais il n'existe pas de VF, voilà, c'est en VO sous-titré, voilà, tout simplement. C'est étonnant vu que, comme je viens de le dire, c'est un studio francophone. Mais, comme plusieurs personnes le disent, c'est mieux d'avoir un jeu qui soit bien traduit en anglais, que les voix soient bien en anglais, plutôt qu'avoir une version VF vraiment à chier, voilà. Donc là, on a notre premier garde. Donc il faudra nous accroupir. Et si vous avez aussi remarqué, il y a une sorte de tatouage qui s'illumine dans notre dos. Ça veut dire qu'on est à l'ombre, tout simplement à l'ombre. Oui, on est caché dans l'ombre. Ça veut dire qu'on est très difficilement détectable par les gardes. Alors que quand on est à la lumière, bah, il n'y a plus de tatouage. Vous allez voir ça. Donc ouais, il n'y a plus de tatouage. Il y a aussi l'environnement qui joue pas mal avec la discrétion. Par exemple, si je touche ce seau et ce balai, bah, le garde va se réveiller. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, le garde s'est réveillé. Donc on va vite se planquer. Là, il est en mode... Il est en mode garde à vue. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, ça ne sert à rien de foncer dans le tas, on se fait vite tuer. La preuve en image. Même si j'ai pas encore d'armes, en quelque sorte, donc je peux pas tuer de garde. Donc vous avez vu comment l'environnement joue pas mal avec la discrétion. Donc, en plus des jeux de lumière et d'ombre. Et également le sol. Hein. Parce que vous allez voir par la suite, si vous marchez sur des tapis, de la pierre, du bois, etc., bah vous ferez plus de bruit. Dépendant de la matière sur laquelle vous marchez. Évidemment, si vous marchez sur du bois, ça fait beaucoup plus de bruit. Si vous marchez sur du tapis, bah, ça va amortir beaucoup votre bruit, donc le bruit des pas. Voilà. Donc, pour naviguer dans l'obscurité, on peut aussi la faire en éteignant les torches. Voilà, comme ça. Always keep to the shadows and walk where it doesn't make too much noise. Avoid running. Énorme blague, et dépêté. Haha.
Si seulement on pouvait péter, ça serait pas mal. Comme dans South Park, avec une touche pour péter. Pour réveiller les gardes. Si jamais, pour qu'ils vous poursuivent. Non, je déconne complètement. Bref. C'est parti. On va se diriger vers notre dague. Pour l'instant, ça sert à rien d'assassiner les gardes. On verra ça bien plus tard. Vu qu'on n'a pas de dague. The World Tree. It seems so close. But it's a mirage. It's so big that it seems to be close. But I still got a long way to go. So, from what I heard, the only access to the heart is a bridge which that two-faced Governor Barron has had closed off with a tamper-proof lock, and he keeps the only key in his apartments. And as if that wasn't bad enough, the whole area is crawling with elves. I'm gonna have to go down into the prisons and free my friend. He knows how to deal with an elf. So, if I'm gonna survive in this tower, I'm gonna need somewhere safe to get organized, as well as a map of the atrium. Well, I'll get nothing done standing around here. I'll get my dagger, and then it's off to work. Arbeit! Donc là, on voit déjà qu'on sait déjà la suite de notre mission. Ça veut dire qu'on va devoir libérer un pote qui nous aide à tuer des elfes et qu'on va devoir choper une carte. Voilà, vu qu'on est un gobelin qui mesure environ 1m20, on peut facilement se cacher un peu partout, comme sous les tables. Voilà. Mais bien sûr, il faut toujours se déplacer quand les gardes vous voient pas. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que j'attende que tous les gardes soient de dos. Pour aller dans l'autre table. Voilà. Tout doucement. Pas se faire repérer. Surtout là, ça serait vraiment la merde si on se ferait repérer. Surtout qu'il y a 3 gardes. Voilà, là, on voit déjà où on va y aller. Voilà, on attend que le garde se casse. Pour pas qu'il nous voit. On passe directement derrière son dos. Voilà, toujours tranquillement. Pas faire de bruit. Donc voilà. Ah! There's my dagger. Ah. I was afraid that I... Let's see. Il y a déjà la carte, c'est bien. We got maps of the area. Et la dague. More than that to get what I want. Voilà, là on peut se mettre en mode normal vu qu'il n'y a pas de danger. I heard something. Strange. Mais non, il n'y a rien. Donc là, quand vous approchez d'une porte, vous pouvez aussi regarder à travers. C'est vachement sympa par le trou de la serrure, comme ça vous voyez s'il y a du danger ou pas derrière la porte. Si par exemple il y a un ennemi derrière la porte, bah, il faut peut-être contourner cette porte et le tuer d'abord, tout simplement en hauteur, etc. Voilà. Donc là le système de crochetage il est assez simple, il faut juste tenir une touche. Tant mieux parce que moi je déteste les systèmes de crochetage, des fois dans certains jeux les systèmes de crochetage sont vraiment pourris, donc autant en n'avoir pas du tout et avoir juste une petite touche où on appuie, voilà. C'est bon, on a assez vu par le trou de la serrure, on n'est pas en train de regarder Beyoncé à poil ou je sais pas qui. On est toujours en mode discretos parce que les gardes ne sont pas loin. Et comme vous avez pu le voir aussi, il y a toujours ces genres de petites croix là, et c'est par là qu'on va toujours grimper. Voilà. Faire attention au trou. Pas qu'on tombe. Quand on tombe, c'est assez marrant parce que notre gobelin il gueule fuck you. C'est assez marrant. Il faut que je vous fasse encore une fois ça. Assassin's rule number one: always strike from behind, especially when the fucker is twice your size. And remember to land on the carpet to make less noise. Donc c'est ce que je vous expliquais. Il y a des tapis, il faut sauter sur les tapis, comme ça on se fait pas repérer. Voilà. Donc là on a deux possibilités pour assassiner une cible. Donc on a l'assassinat direct, discret, et on a l'assassinat tout court. Donc l'assassinat discret, vous n'allez pas faire du bruit du tout, donc pas réveiller les autres gardes ou les mettre en garde. Donc par contre l'assassinat discret va prendre beaucoup plus de temps à aboutir tout simplement, et l'assassinat tout court, bah il est très rapide, mais par contre ça va alerter des gardes s'ils sont aux alentours. Voilà, donc ici comme il n'y a pas de gardes aux alentours, on va tout simplement faire un assassinat direct. La prochaine fois je vous montrerai un assassinat discret. Donc voilà, typique comme dans tous les jeux d'infiltration et de discrétion, on cache toujours les cadavres pour pas que les gardes nous repèrent assez facilement. Voilà. On peut toujours se cacher sur n'importe quelle table, ça c'est bien. On va toujours éteindre la torche au cas où.
peut-être qu'on reviendra ici, je sais pas. J'ai juste joué un petit peu, j'ai juste joué une heure ou deux, donc franchement ça m'a plu déjà. Voilà. Voilà, encore une potion. Voilà. Donc ça c'est le système de combat rapproché. Donc ce système de combat rapproché, il est sûrement utile si vous tuez, si vous voulez tuer un seul garde. Si on a plusieurs, ça ne sert à rien de faire ça, parce que dès qu'il y en a deux, bah c'est foutu. Pendant que vous êtes en train de tuer l'autre au ralenti, bah l'autre il vous bousille par derrière, vous êtes vite mort. Voilà. Mais je vous montrerai tout ça plus tard, dès qu'il y aura beaucoup de gardes, comme ça vous allez voir que ça sert à rien d'aller comme un bourrin. Mais si vous avez un seul garde, vous pouvez tenter votre chance, même si c'est de l'anticipation, et ça dépendra des gardes que vous aurez, parce que ce garde peut-être il est un petit peu long, mais vous aurez des gardes beaucoup plus rapides et qui seront beaucoup plus coriaces à contrer, évidemment. Voilà. Donc, comme d'hab, on va regarder par le trou de la serrure pour voir s'il n'y a pas un petit garde derrière. Là c'est tout bon, c'est tout ok, on peut y aller les amis. Donc on va déverrouiller cette porte. On va directement à la porte. Cette fois-ci je vais aller en mode beaucoup plus rapide. Merde, j'avais oublié que j'étais pas à genoux. Ok, il y en a un qui nous a vu je crois. Voilà. Bon, désolé, j'ai dû tuer tout le monde finalement. Mais j'ai du mal, hein. Vous avez vu, j'ai perdu pas mal de vie. Hein. Mais ça, ce n'est pas vraiment un exemple. Hein. Comme d'habitude, je voulais aller trop vite et je me suis fait ramasser. Voilà, on va éteindre les lumières, même si ça sert plus à grand chose. Vu qu'on a tué la majorité des gardes. Ceci est une possibilité, comme je vous disais avant, vous avez toujours diverses possibilités pour avancer dans les niveaux. Voilà. Vu qu'il reste juste qu'un seul garde, bah on va le tuer en mode discretos. On va essayer en tout cas. Et c'est parti. S'il bouge pas. C'est parti. On va essayer de l'assassiner en mode. En mode lent. Comme je vous ai pas montré l'autre fois, je vais vous montrer cette fois-ci, voilà. J'espère qu'il va pas bouger. Donc à un moment, on fait beaucoup de bruit. Voilà, je me suis mis à couvert. Là, on peut l'assassiner. Voilà, là c'est une cible parfaite, voilà. Assassinat discret, donc vous voyez, c'est beaucoup plus lent. Mais par contre, il ne fera pas de bruit. Voilà. On va planquer le corps si jamais. Cette fois-ci, j'étais vraiment direct cash. Voilà. Voilà. J'ai qu'une potion de vie par contre. J'ai fait le singe. Donc, l'autre méthode que j'allais vous montrer, c'est tout simplement de monter là-dessus. Voilà. Et d'accéder en hauteur, tout simplement, à la partie du rond. Voilà. C'est une autre possibilité. Je vous montre maintenant, même si je l'ai déjà fini cette phase de gameplay, voilà. Ça aurait pu être cette possibilité-là qui aurait pu être gagnante. Donc vous voyez, il y a toujours diverses possibilités à chaque fois pour tuer ou pour avancer dans le niveau. Voilà, ici, vous voyez, il y a un petit truc en hauteur, voilà. Donc, c'est parti. On se déplace. Tu vois, en mode discretos. Donc là, on peut se mettre à couvert. Il y a quelque chose d'assez marrant, si vous mettez à couvert comme ça contre ce mur là. Oh putain, il dégueule, c'est dégueulasse. Contre ce mur là, ça va pas marcher, mais si vous mettez contre le tonneau, ça marchera. Il vous verra pas. Voilà. Il faut toujours en fait se mettre à couvert en face de l'objet du garde, voilà, simplement. Cet objet, il est en face du garde, vraiment en face. Il faut se mettre à couvert dans cet objet là et pas contre le mur, voilà, sinon il vous verra. C'est un truc un peu con, mais voilà, ça marche. Voilà, donc là on a réussi easy à passer. Donc là, ça va être un peu plus chaud parce qu'il y a trois gardes, donc on va continuer à se mettre à couvert.
peut toujours regarder, changer de côté, voilà. Voilà. Toujours en mode discretos, pas se faire choper. Voilà. Il ne voit pas, on va en mode discretos. Voilà. Celui-là, si on va très très doucement, il ne nous verra pas non plus. Voilà. Faut qu'on passe par la porte du fond. Voilà. Il y a l'autre garde qui arrive, donc on va se mettre à couvert de l'autre côté là. Regarde, il nous a vu, je crois. C'est bien qu'il nous a vu comme ça, on a la voie libre. Voilà, on a la voie libre. Il nous a vu, c'est génial. Ça nous a bien aidé. Voilà, toujours à couvert. Et non, c'était rien, Ignare. Voilà, on est à la lumière au cas où. Voilà, ça ne coûte rien. Voilà, quitter le secteur. I gotta get me some amber. Yeah. That would straighten me out. Down there, maybe? Donc on a fini cette première mission. On se retrouve demain pour de nouveaux épisodes. Je vous garantis, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'était un peu court parce que j'ai pas eu tellement de temps de faire une vidéo, mais voilà. Une nouvelle vidéo, un nouveau jeu, et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous aimerez bien ce jeu. En tout cas, franchement, il est vraiment sympathique. Si vous voulez l'acheter, achetez-le, parce que franchement, il est sympa. Et vous allez voir tout le long de ce let's play, de cette aventure, si vous hésitez encore à l'acheter, qu'il est vraiment sympathique. Voilà, sur ce, à demain pour deux prochains épisodes. Bonne soirée, tchoban!